N'aie dit surtout pas à l'Éternel Dieu que tu as un grand problème. Mais dis plutôt à ton problème que tu as un Dieu grand. Et son nom c'est Yahweh. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Fortifie-toi. Garde ta foi. Quel que soit le tourment, les épreuves dans ta vie, fortifie-toi. Garde la foi. Adonai n'a pas dit. Oh oui, les épreuves seront rendez-vous pour t'affaiblir. Ne t'affole pas, tiens bon. Adonai n'a pas dit. David a dit, l'Éternel campera tout autour de ceux qui le craignent. J'ai la vive conviction qu'Adonai dira. Daniel et ses compagnons à la fosse au lion, ils mirent la foi en l'Éternel. Adonai les délivra, car c'est à lui que révèle les derniers mots. Adonai, les derniers mots, les derniers mots. Soit les niveaux de tes soucis, Yahweh est la solution. N'abandonne pas la foi, Adonai. N'a pas dit son dernier mot. Changera. Tiens bon. Oui, allô? Allô? Allô, c'est le ministère de l'Éternel. Oui, je t'écoute. Je vous appelle parce que j'en peux vraiment plus. Calme-toi, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je crains l'Éternel Dieu. J'observe tes préceptes. Je suis présente dans son travail, mais je comprends plus. Je me demande quand est-ce qu'il va exaucer ma prière. Quand ma vie, elle est devenue un sujet d'humiliation. Je suis haïe, détestée à cause de ma situation. Ma honte pourra-t-elle une fin un jour? Parce que ma tristesse, c'est la joie de ceux qui m'entourent. Mais il est où ce Dieu que j'ai toujours servi en toute sainteté? Il est où? Écoute, maman. Il est où? Ne pleure pas. Il connaît ta situation. Ne t'en fais pas, maman. Ne réponds surtout pas aux insultes. Non, mais où? Ta situation est une épreuve. Car une épreuve ne sera jamais synonyme d'une malédiction. Écoute bien, l'or à l'état brut ne brille jamais. Avant qu'il brille, il faut qu'il passe par le feu. Et toi, pourquoi tu abandonnes ta foi devant les épreuves? Affronte-le. Quand tu vaincras, tu feras la gloire de l'Éternel Dieu. Tiens bon. Oh oui, si tu ne marches pas, marche pas avec les diables, hein, sache-le. Tu les croiseras sur ton chemin. Il ne te lâchera pas. Il te mettra les bâtons dans les roues pour que tu tombes. Et ah, souviens-toi de Joseph, il se retrouva prisonnier en Égypte, lui qui était innocent. Ne baisse pas les bras. Non, non. Ne baisse pas les bras. Maman, ne pleure pas. Il est bon. Ne pleure pas. Adonai n'a pas dit son dernier mot. Non, 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 non. N'abandonne pas la foi. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas dit son dernier mot. Calme-toi, tu te vois. Ne sois pas triste et suis tes larmes. Ta solution à tout problème. Sois patient. Il agira. Ne perds jamais ton espoir, car les derniers mots revient l'Éternel Dieu Sébaoth.